Et salut à toutes et à toutes, je suis TheBigBossCE. Et aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour un petit tutoriel pour en fait vous montrer comment corriger des problèmes de son dans OBS. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'elles font un enregistrement, n'ont pas le son de lorsqu'elles parlent dans OBS. C'est-à-dire, regardez, là je suis en train de parler dans un micro. Donc ici, il me l'affiche micro auxiliaire avec une barre verte lorsque je parle. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est parce que vous n'aurez pas configuré votre micro. Vous allez dans les paramètres, ici, paramètres de BS, vous allez dans audio, et là vous allez chercher périphérique audio micro auxiliaire. Et là vous allez prendre votre périphérique par défaut ou bien votre périphérique que vous utilisez maintenant. Donc moi je l'ai configuré par défaut, donc vous pouvez voir il est là. Donc si vous ne mettez pas de périphérique audio micro auxiliaire, vous n'aurez aucun son, c'est normal. Ensuite vous ferez appliquer lorsque vous aurez mis des modifications. Donc moi j'ai pas mis de modification vu que c'est par défaut, mais vous si vous faites ça, vous faites appliquer et ensuite OK. Bon, si ensuite vous testez et vous n'avez pas de son, alors ça devient un petit peu problématique. Donc, vous allez aller, vous voyez l'icône de haut-parleur là? Donc moi je vous le montre, donc c'est ça, l'icône des haut-parleurs. Donc vous faites clic droit, périphérique de lecture. Voilà, non ça charge, ok. Alors, vous allez vérifier moi. Ok, donc ça lag un peu, voilà. Ici, donc vous avez des trucs, hein, donc haut-parleur, casque, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Vous allez dans enregistrement, et là vous allez voir. Donc ici, il y a le micro que j'ai en ce moment, donc c'est-à-dire celui que j'ai mis configuré pour OBS. Et celui-là, c'est le micro du PC. Donc par défaut, ce sera lui. Donc celui-là. S'il est par défaut et que vous avez un micro sur casque, vous configurez celui-là en mettant ici il y a activé. Enfin, je crois que c'est. Attendez, non, c'est pas ça. Ah, voilà, c'est ça. Définir en langue périphérique par défaut. Si vous n'avez pas de casque avec micro, ce n'est pas grave. Remettez celui-là, votre micro de PC. Et vous faites périphérique par défaut. Ok, si après ça on ne vous entend toujours pas, donc après avoir mis par défaut, donc regardez périphérique par défaut, vous allez dans OBS, paramètres, paramètres audio, et vous cliquez périphérique audio micro, vous mettez par défaut. C'est lui qui est par défaut sur votre PC. Vous faites OK. Là normalement ça devrait marcher. Si ici vous n'avez pas de son, même lorsque vous parlez, c'est problématique. Soit vous prenez un autre périphérique micro, ou soit vous faites propriété, vous allez dans niveau et vous augmentez. Donc je pense que c'est comme ça. Attends, je pense que c'est comme ça par défaut. Voilà, comme ça. Ou peut-être comme ça, un truc comme ça. Vous augmentez en fait et vous amplifiez un peu plus aussi. Donc moi j'ai rien modifié pour l'instant. Hein. Donc en fait moi par défaut il était comme ça, j'ai fait ça, on entend mieux. Faites OK. Ensuite, normalement ça devrait marcher. Si ça marche pas, vous avez qu'à faire une configuration. C'est-à-dire vous cliquez là, configurer le micro. On attend le chargement bien sûr, hein, comme d'habitude. Vous choisissez votre micro, hop, vous faites suivant, il vous dit une phrase. Ensuite, attendez. Pierre dicte à son ordinateur, ok, voilà, donc ça a craché, je sais pas pourquoi. Vous faites la phrase, ensuite c'est bon. Vous faites, normalement, la configuration est prête. Ça, c'est si vous n'avez pas configuré votre micro. Normalement, il doit être comme ça, il doit être configuré par défaut. Dès que vous avez fait ça, et eh ben c'est bon, vous retournez dans OBS, pardon.
Vous vérifiez dans audio si vous avez bien mis par défaut. Ensuite, vous faites appliquer, vous faites ensuite OK. Puis vous vérifiez ici qu'il apparaît bien. Sinon, il y a aussi des paramètres, hein, donc propriété par exemple. Donc par défaut, comme d'habitude. Filtre, c'est quoi ça déjà? Ouais, bon. Bug. Donc voilà, normalement, après avoir ça, ça marche. Bon, je vous conseille de redémarrer OBS pour vérifier que les paramètres fonctionnent. Donc moi, je vais pas le faire, vu que ça marche et en plus, je suis en train de l'utiliser. Et donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je pense que si vous avez tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire configurer, amplifier, vous pouvez même au maximum si vous entendez pas, et que dans OBS ça marche pas, soit vous réessayez de réinstaller OBS, ou soit bah, vous devez vous acheter un nouveau micro, c'est-à-dire un casque micro ou un truc comme ça, parce que sinon ça vient plus du logiciel, mais ça vient de votre PC, donc on ne peut plus y faire grand chose à ce moment-là. Donc merci d'avoir regardé les vidéos. Pense à mettre un petit j'aime. Et surtout, tu peux le dire dans les commentaires si ça a bien marché pour toi. Ou si au contraire, t'as quelques problèmes. Hein. Donc de toute façon, je pense que ça devrait marcher. Allez, salut à tous.